Salut à tous, c'est The Killer Game, comment allez-vous? Moi en tout cas je vais super bien. On se retrouve une vidéo sur Dying Light en... Oh shit, en mode chasseur de trésors. Je vais vous expliquer le concept. En fait, le concept c'est que Dying Light en fait c'est un jeu de zombies. Et si nous allons dans des bâtiments comme celui-ci, il y a parfois des mallettes comme celle-ci que tu as besoin d'un crochet pour les ouvrir. Comme tu as besoin d'un crochet pour les ouvrir, en fait, ils peuvent contenir des armes. Comme... Alors, on va fouiller le haut des bâtiments. Ah, je suis failli tomber. Ça aussi, on peut fouiller. Parfois, il y a quelque chose. Oh non, un zombie nous a repéré. Ok, Ah ouais, il faut se barrer. C'est ça. Peut-être ici on a. En fait, c'est parfois t'as de la chance. Tu tombes sur des trucs. Mais parfois t'as pas de chance. Ah, les zombies, vague sur ça. Vague sur les zombies. Ok, hein, on va dégager, chercher des trucs. Voilà, on saute par-dessus. Allez, on va en chercher. On va à la chasse au trésor. On va à la chasse au trésor. Ben oui. Ici, c'est les tessis. Dans les tessis, il y a presque toujours des trucs. Allez, toi, on va te battre, hein. Tu ne meurs pas. Bah, mort. Merci de mourir. Voilà. Peut-être ici il y a quelque chose. J'essaie d'observer si... Voilà, on trouve des clous, puis la lame. J'essaie d'observer. Oui, il peut en avoir. Ouais, on lit les singes de la street. Frère, on trouve que dalle. Mais je vous promets, avant, je trouvais des trucs. Y'a rien. Bonjour. Ouais. Ah ouais. Ah,
pas sympa. Zouallah. Parfois, on entendait une voix qui ressemblait à celle d'une personne. Du coup, on entrait et on trouvait quelqu'un d'infecté. C'est bien. On n'est pas pour les lire, hein. Voilà, enfin, on en a trouvé. Avec un crochetage, ça veut dire ça, c'est là. Voilà, hop, on l'a eu du premier coup. Et voilà, nous ouvrons. Et nous avons... ça. C'est quoi ? Que la molette, je crois. On va voir ça. On a déjà une clé à molette, elle a 36 de dégâts. On le dépose. On la prend pour la revendre. C'est comme ça que ça marche. Mais comme je vous dis, ça dépend vraiment de l'achat que t'as. Parfois, ben moi en fait, j'ai eu une batte de criquet. En fait, une batte de criquet, vous pouvez me dire, oh, c'est nul, mais en fait, dans le jeu, c'est un objet rare. Puis en fait, c'est quand t'es pauvre que tu peux faire ça. Parce que... oh, shit. Parce que... ils coûtent de l'argent, en fait, les armes. Voilà. J'en ai vu une. Mais on sait pas si elle a besoin de crochet. Non. Alors, il n'y a rien de gros. Voilà, du plastique. On se barre. Il y a un gerbeur. Un gerbeur, c'est en fait un gros zombie qui te crache des glaires. C'était quoi ça? C'était un peu un zombie. On a failli pas le voir. Mais c'est bien, on demande pas ça. Voilà, on demande pas ça. On demande pas ça. On en a eu un avec une clé à boulette. J'avais entendu des bruits chelous. On ouvre. Qu'est-ce qu'on trouve? Du café. Ok. Là-bas, c'est notre dernier espoir. Inch'Allah, je meurs pas. Ok, il faut rester là, là. Oh, yes! On en a trouvé une deuxième avant la fin de la vidéo. Oh, presque. Oh, yes! On sait pas. Ah, oh, ça va être un truc quand même bon. Une bourse. Yes, et des shurikens. Je vous avais dit. Oh, j'en vois un là-bas. Oh non. En fait, c'est les coffrets rouges ici, comme lui. Ouais, ici, je peux vous parier 20 dollars que ce coffret là-bas. On va y aller direct.
pas besoin de crochet. Ça, voilà. On a bien parlé de lui. Pas de crochet. Bof. On va essayer d'en trouver un dernier hein, pour conclure la vidéo. Si on en trouve pas là-bas, on va conclure la vidéo. Allez, hein, allez les amis. Oh, monte. Yes, c'est bien, on est les singes de la street. Mes frères, il y a que dalle. Bof. C'est la fin de cette vidéo sur Dying Light. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.